Je fais du vélo et je vais faire une surprise à ma famille, je rentre pour Noël. Beaucoup comme cet étudiant ont déjà hâte d'être arrivés. Et je retourne en Belgique pour 2 semaines, effectivement, fêter Noël, faire Nouvel An en famille avec les amis que j'ai pas revus depuis longtemps. Ils sont nombreux aussi, Gare de Lyon, à être pressés de quitter Paris et son stress, comme cette famille qui part dans le Dauphiné. Bah, on a voulu au maximum profiter de la famille, donc on n'a pas trop hésité en fait. On s'est dit qu'on allait choisir le vendredi soir, tant pis. Je vais voir mes grands-parents, ma famille et tout. Et bah, ça me fait plaisir parce qu'en fait je les vois pas très souvent. Et aussi on va partir à la neige. Ce week-end, la SNCF s'attend à 1 700 000 voyageurs. Et les stations de ski commencent à se remplir. Regardez ces images de la station de Val Thorens en Savoie avec ce beau menton blanc. Manteau, pas menton, c'est pas la même chose. Ceux qui sont arrivés en fin de semaine sont déjà sur les pistes ce matin. Et puis sachez que le ski n'est pas la seule activité pour les sports d'hiver. Eh ben oui, Gaël, est-ce que vous connaissez le snake glisse ? Pas du tout. Vous ne connaissez pas ? Non. Eh bien, regardez les images qui vont suivre. Guillaume Bertrand, notre reporter à Val Thorens, a testé pour nous plusieurs activités autres que le ski. À part le ski, il y a de nombreuses autres activités à faire ici. Parmi elles, il y a le snake glisse. On va tout de suite vous montrer ce que c'est. Il y a 11 luges attachées entre elles. Apparemment, c'est très sportif. On est parti pour 45 minutes de descente. On se retrouve en bas. Il y a de véritables sensations fortes dans le snake glisse et vous l'avez vu, ça part un peu dans tous les sens, mais la prochaine activité, normalement j'aurai un volant pour contrôler tout ça. Voilà, je suis dans un kart, mais la vraie difficulté, eh bien, c'est que je suis sur la glace. On se retrouve tout à l'heure. J'ai fait quelques dérapages, quelques tête à queue. Après ces activités sportives, on va essayer quelque chose d'un peu plus tranquille. Je vais me reposer un peu et me faire conduire par Marie et ses 7 chiens. J'ai même un plaid pour bien avoir chaud. C'est parti. Allez, ok. Ça fait rêver. C'est aussi un Noël sous haute sécurité. En tout, près de 100 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés.